Right, guys, today I am lending the keys of my Ferrari, my baby, my favorite little car, to a friend of mine. You've probably already seen in the title and the thumbnail. It's all gonna be, she's speaking in French, so it's gonna be subtitled from here onwards. I'm doing the English intro. So yeah, it's gonna be subtitles from here. There's not much we can do about that. She speaks French. She actually doesn't know it's happening yet. So we work together a little bit. She thinks we're going to a meeting, and we're always filming everything because we're daily vlogging now. So it's no surprise that there's gonna be cameras in the car. We're gonna get to a certain point, which is nice and open and easy. And there, I'm gonna hand her the keys of the Ferrari, and maybe she's not even gonna wanna drive it, and this video will be a total fail. Maybe she will, maybe it'll be funny. I don't know what's gonna happen, but I thought it'd be quite fun. So yeah, let's go do it. Sure. Parce que quand elle fait beaucoup de bruit, là c'est encore plus intimidant. Alors là, c'est...
Regarde, moi je suis très relax. Putain, mais t'es relax quoi et tout. Ça me choque, je me dis. Non, mais là, on va faire le tour du port. Ok. Tu connais un peu. Je conduis comme une mamie et tout. Mais c'est quoi hein? En anglais, on dit better safe than sorry. Ouais, les freins, c'est le truc le plus dur ouais, à s'habituer. J'essaie de jauger. C'est parce que c'est ce qu'on appelle les freins. Oui. C'est ce qu'on appelle les freins céramiques. Ouais. Et donc, c'est des freins un peu plus. Pour quand tu fais du circuit ou quoi, donc c'est extrêmement puissant. Okay. Du coup, comme la voiture va plus vite, faut qu'elle prenne plus. D'accord. Mais par contre, t'es confortable, t'es bien. Franchement, je suis bien, je me sens à l'aise. Elle est bien. Un petit coucou, Clara. Hello. Coucou, le dernier coucou. On vous a doublé. Ça va trop vite, Tu gères. Bon, ça va alors. Tu commences à déstresser un peu. Ouais, ça y est, je commence. Mais du coup, t'as le truc. Ça va partir en drip. Non, mais en vrai, t'as le truc. J'ai envie là d'accélérer, de me dire ça y est, je me sens un peu mieux. Ouais. J'ai envie d'être sur une ligne droite ou sur des routes de montagne où t'as des virages. Le problème, c'est Monaco, on n'a pas grand chose. Hein. Tu sais, on va même t'ouvrir les valves. Ok. Un peu plus de bruit maintenant. Cool. C'est cool, hein? Ouais, grave, j'adore. Ah, je suis trop content. Oui, moi aussi, ça me fait merci. Plaisir. Là, on va aller à gauche. Okay. Tu sais où on va là? Tu vois, après. En fait, je te jure, je suis tellement focus sur tout ce qui se passe autour tu de moi pour pas faire de bêtises que je regarde peu mon environnement. On retourne où on était là tout à l'heure, c'est ça? Là, on va à gauche. Alors, en général, quand quelqu'un conduit ma voiture, c'est quand moi je suis dans une autre ou quoi et j'ai envie d'avoir les deux. Et donc, je suis rarement en passager parce qu'on peut laisser là hein, comme ça. Attends, je vais me garer tout droit comme toi. Ok, vas-y. C'est la mer. Ouais. C'est bon, cousin, parfait. Là, tu passes. Là, voilà, tu prends les deux. Un main. Mais moi, je voulais pas m'arrêter. Bravo. Super. Franchement, t'as géré. T'as géré. C'est pas facile, hein. Honnêtement. Non, franchement, non. Mais là, une fois que t'es calme et tu fais ton truc comme tu l'as fait là, c'est parfait. Okay. Là, tourne la clé pour l'éteindre. C'est apaisant quand même. Et là, tu peux sortir la clé. Voilà. Tout au bene. Magnifique, non? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas mal, hein. On en pense quoi? Bof. Au départ, comme je dis, le stress, il t'envahit beaucoup en fait, parce que tu arrives moins à gérer tes mouvements normalement, comme dans une voiture classique. Mais finalement, au bout de 2-3 minutes où t'as passé tes premières vitesses, ça passe, c'est cool. Parce que toi aussi, attends, passe la caméra là, toi. Toi aussi, tu l'as conduit. La première fois que tu l'as conduit, ça t'avait fait quoi, toi? Ouais, c'est bah après, c'est sûr, c'est violent. Hein. C'est pas un truc que tu conduis tous les jours. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça c'est le review de Erwan. T'as conduit sur des routes quand même plus. Non, lui, plus rapidement la première fois qu'il a conduit, on est parti genre à une heure de route. Ah mais voilà, t'as eu de la chance parce que je voulais pousser un peu. Non, la toute première fois c'était son anniversaire. Et c'était sur des routes de montagne, donc je pouvais un peu appuyer. Ouais. Mais le jour où on allait au paintball, c'était la guerre sur la route. Ouais, là, moi j'étais dans la R8 et lui il était dans celle-là et moi je voulais, je sais pas, on était à la bourre ou quoi, je voulais bombarder. Donc on a fait des vitesses qu'on va pas dire en caméra. Et lui, donc la première fois qu'il rentre dans cette voiture et moi je pars comme ça. Je fais bon, pocket. Ouais. Bref, mais bravo, hein, t'as géré. Mais j'aurais aimé aller un peu plus vite à un moment donné, mais bah là, malheureusement, on peut pas trop. Hein. Et en plus, là on a pris des routes, parce que Monaco, tu peux finir dans des routes toutes petites, avec les scouts et tout partout. Mais et est-ce que c'était... Tu t'attendais que ce soit comme ça ou c'était plus soit facile, difficile, intimidant? En fait, moins j'ai trouvé ça plus facile que ce que je pensais. Bon, maintenant on peut vraiment aller faire nos réunions, faire le travail. Petite pause. Travail. Il y a l'Instagram de Clara là, je sais que vous allez tous vouloir y aller de toute manière. Donc vous allez aller le chercher en dessous où il faut. Tu m'y attends. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore. Et merci mon petit sub. Moi ça me fait plaisir. Ciao. Bisous, ciao.